Dans cette limousine, le richissime Omar Harfouch et sa compagne aux allures de star de cinéma, Elena, 21 ans, mannequin ukrainien. Omar Harfouch a misé sur la Croatie pour offrir à Elena une escapade amoureuse, style lune de miel. Première fois Dubrovnik, la Croatie, c'est la destination à la mode maintenant, donc on vient essayer pour voir ce que c'est. Et sincèrement, déjà, première impression, c'est très beau. L'hôtel, il a l'air magnifique. Donc voilà, j'attends pour voir ma chambre. Omar Harfouch, 37 ans, d'origine libanaise. Playboy flambeur et homme d'affaires qui aurait bâti sa fortune dans les pays de l'Est. Nouvelle figure de la jet set, habitué des magazines People, il s'affiche depuis 2 ans au bras de la jeune top modèle Elena. Pour les beaux yeux d'Elena, il veut sortir le grand jeu. Is it a nice room? It's you to say. Oh. Mm-hmm. Thank you. Pour ce week-end en amoureux avec Elena, il a réservé l'une des plus belles suites. Pourtant, elle n'est pas à son goût. Je trouve un peu petite. Une suite à 500 euros la nuit, c'est beaucoup moins qu'en France, mais cela reste très cher. Il est vraiment petit. Vous voyez, là, les pieds vont sortir du lit. Alors, ils sont exigeants. Comme ça. C'est vraiment trop petit. Oui, c'est petit. Mais bon, la vue est très très belle, par contre. C'est vraiment très très beau. C'est la plus belle vue de l'hôtel. Malgré tout, le standing ne convient pas. There is no suite available? There's no suite available. The little suite is, believe me, thinner than this one. Oh yeah? Yeah. Alors pour flatter ce client de marque, la directrice de l'hôtel fait à Omar Harfouch la liste des stars internationales qui ont séjourné ici depuis 50 ans. Elizabeth Taylor, Mr. Malkovich, Mr. Fokayan, Montserrat Caballé. Je crois que même Maria Callas, il semblerait qu'elle a séjourné ici. Well, if Maria Callas accepts to sleep in this kind of room, so I will accept, of course. Same. I will like it. I will see the piano. Yes. OK. Ah, c'est un Petrov, c'est un piano qui vient de Saint-Pétersbourg en plus. C'est un piano russe. Ce piano, c'est un caprice, une demande spéciale. Il l'a fait installer dans sa suite avant son arrivée. Pas le temps de poser les bagages, Elena doit vite choisir sa tenue de plage, car Omar lui réserve une petite surprise. Pour leur première visite de la baie de Dubrovnik, pourquoi ne pas louer un yacht? That one? No, this is small. Like this one. Like that one. Yeah, this or this. It's like yacht. Mangusta or princess? This one is occupied. Occupied? Yeah, this one and that one, maybe only ferret. Only this one? Celui qu'elle me propose, il est vraiment petit. Elle a dit 16 mètres. Vous savez, moi, je loue parfois des bateaux à 40 000 euros la journée. Donc, là, ce que j'ai vu, c'est peut-être 5 000 euros par jour, quelque chose comme ça. Ombrelle pour madame, pagne branchée pour monsieur, c'est la Croatie version jet set. Wow. Ulica, Petrovski. J'ai le look de vacancier. Je suis comme ça en vacances, en fait. Peu importe où, en Ukraine, en France, à Dubrovnik, c'est pareil. Dubrovnik, la perle de l'Adriatique, bâtie sur des falaises qui ont échappé au béton jusqu'à présent. Des vues de cartes postales. Ah ouais, ah là, c'est joli, ça. Mais Omar Harfouch n'a qu'une idée en tête. Trouver un bateau exceptionnel pour sa fiancée. Direction l'embarcadère pour touristes, guichet des départs. Alors, I need excursion. Ici, on vend des billets au détail pour des visites guidées en bateau. 15 euros la balade, habituellement une cinquantaine de touristes à bord. Can I take the hall for me and my... How much? 700 euros for a whole day, boat just only for you. Just for okay, you. I take it. You take it? Yes, of course. Okay. Ça arrive souvent quand vous louez le bateau pour deux personnes. Not very often. Not many times. Because we don't have people like this to come here and rent a boat. So he has a pretty nice reason, I'm sure of it. Yeah. He knows what she's my reason. I was right. Yes. I want her to love me. Marché conclu pour demain. Pour l'heure, pourquoi ne pas profiter de Dubrovnik, l'une des villes les plus romantiques au monde, sorte de Venise en miniature. Les canaux et la foule en moins. Monastère, église médiévale et palais renaissance, les amoureux sont conquis. C'est très très beau, c'est vraiment magnifique ici.
jamais vu une ville comme ça. Si vous emmenez une fille qui n'est pas encore amoureuse de vous ici, elle va tomber amoureuse, c'est sûr. Difficile d'imaginer qu'il y a 15 ans, Dubrovnik ressemblait à ça, un champ de ruines. Entre août 1991 et novembre 1992, dans un pays en guerre, la ville est assiégée et bombardée par les troupes serbes. La perle de l'Adriatique est aux deux tiers détruite. Alors, avec l'aide financière de l'UNESCO, les 30 000 habitants de Dubrovnik ont reconstruit leur ville pour en faire à nouveau un joyau pour touristes. Ça dégage beaucoup. C'est un sentiment de paix, de romantisme, d'amour. C'est exceptionnel. Et les murs parlent, on sent quelque chose. Il y a de l'histoire ici. C'est vraiment d'une beauté extrême.